Merci beaucoup pour cette superbe performance, concert, réalité augmentée, etc. Donc nous passons à la deuxième phase, un débat, et puis ensuite donc, ça va être repris une deuxième fois. Je commence par vous parler un petit peu de, très rapidement de Evry Ali, de Xenakis, donc qui est la base jouée intégralement. C'est important de le préciser, toutes les notes, enfin, disons à 98% du possible. Donc c'est une pièce que Xenakis a composée en 1973. C'est sa deuxième pièce pour piano solo, où il a utilisé un certain nombre de nouvelles techniques, ce qu'il appelle notamment les arborescences. Ce sont des, comme le nom l'indique, ça ressemble à des embranchements, des branches d'arbres. Donc c'est une forme de polyphonie un peu nouvelle, un peu originale, où on part d'une ligne, et la ligne peut bifurquer à droite, à gauche. Donc ce n'est pas du tout une polyphonie ordinaire à X voix. Ça peut être à une voix, tout d'un coup à cinq voix, se rétrécir à deux, partir à dix, etc. Et vous avez remarqué que le piano joue sans cesse en note répétée. C'est indiqué comme un trémolo. En fait, sur la représentation qui lui a servi pour composer la pièce, c'est des lignes continues. Vous avez vu des esquisses qui étaient projetées. Voilà. Bien sûr, le piano ne joue pas des notes continues, il joue des points discrets. Le fait de répéter les notes conduit peut-être l'oreille à l'illusion de la ligne continue, c'est-à-dire du glissando, en fait. Donc, Xenakis a été le grand inventeur grâce aux instruments à cordes. Le nom de la pièce, Evry Ali, en grec, Evry, c'est large, et Yalos, c'est le littoral, la plage, la mer, donc c'est la mer large. En fait, je vous lis la notice de Xenakis. Evry Ali, un autre nom de la méduse. Cela veut dire la mer large. Cette pièce contient la naissance des arborescences, qui seront exploitées par la suite plus amplement. L'arborescence est un enchevêtrement de lignes dans l'espace hauteur-temps. La pièce est assez simple dans sa constitution. Il n'y a pas beaucoup de calculs, contrairement à l'image qu'on a de Xenakis. En fait, elle est entièrement dessinée sur papier millimétré. Et il y a globalement trois formes sonores. L'une, c'est les arborescences qui dominent, mais il n'y a pas que ça. Une deuxième sonorité très prégnante, c'est les accords répétés, donc statiques, sans évolution, donc à ne pas confondre avec les notes répétées au sein des arborescences. Et puis ensuite, il y a des nuages de points, avec la particularité, contrairement à d'autres pièces, parfois on a des densités assez faibles, ce qui est très rare chez Xenakis. Et il y a des petits passages où on pourrait croire qu'on est chez du John Cage, assez rare. La première page de la partition est très particulière. Il y a les premières lignes, c'est un peu jazzy. C'est presque une citation. C'est vraiment pas du Xenakis. Et après, il y a justement quelques passages peu denses. Et après, on attaque. Et là, ça devient du Xenakis, fortissimo, arborescence, plein de notes, etc. Voilà. Au niveau de la forme, c'est pas évident. C'est pas une forme. Xenakis fait souvent des formes assez simples avec des points culminants, un début, un milieu, un développement dramatique et une fin. Là, en fait, ça, je dirais que c'est des juxtapositions de sections qui vont par une sorte d'évaporation. À la fin, il y a une sorte de fragmentation des figures sonores, et la pièce se termine un peu par épuisement, je dirais, par défaut d'autres termes. Voilà. La pièce est très difficile à jouer. Vous l'avez compris, vous l'avez senti. Pablo doit être épuisé, surtout qu'il a répété ce matin, et vendredi et samedi, et surtout qu'il va la répéter à nouveau. Donc il nous parlera tout à l'heure de cela. La pièce est maintenant en programme, couramment, elle est jouée par pas mal de pianistes, il y a beaucoup de versions, et des versions très différentes en fait. On s'aperçoit que l'interprète est loin d'être un exécutant, contrairement à ce qu'on a pu penser dans la musique contemporaine, parce que même si plus de choses sont écrites que dans la musique de Bach ou même de Beethoven, normalement tout est écrit, on n'a pas à changer des choses, mais il y a des versions très différentes. Par exemple, le tempo, là il y a un choix à faire: soit on respecte le tempo de Xenakis qui est rapide et on ne peut pas tout jouer, soit on joue plus lentement pour essayer de jouer plus. Voilà, Pavlos nous dira peut-être ce qu'il a fait.
Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel donc pour la partie Xenakis, Evriali, et je passe le micro. On fera le tour. Chacun va parler de la partie qui le concerne en quelque sorte. Ça sera la première partie du débat. Dans une deuxième partie, on va essayer collectivement de qualifier cette version, réalité augmentée, etc. Et puis ensuite, on discutera avec vous, si l'envie vous en prend. Je donne la parole à Pavlos. Bah, merci, Makis. C'est difficile à parler après ton introduction sur Evriali. Je voudrais dire peut-être que oui, il y a un narratif très particulier concernant ces morceaux de Xenakis, un narratif d'impossibilité. Il y a bien des articles qui abordent Evriali, et par exemple, il y a un article assez récent où on parle des meta-virtuosités. Des meta-virtuosités. Alors, on a évoqué l'idée que ce n'est pas vraiment possible d'arriver à un niveau assez haut de virtuosité et de perfection avec cette pièce, parce que c'est exactement écrit contre la perfection. Et moi, alors, j'étais un peu hérétique vers ces concepts, et ça, c'est parce que tout le monde, la plupart des pianistes décident tout simplement d'enlever certaines notes, certaines textures qui sont très harmoniques. Les textures sont en effet étendues, comme la mer, large. Et voilà, c'est la raison de cette impossibilité. Alors, on ne peut pas vraiment agripper la totalité des notes. Et moi, j'ai décidé, ça serait assez plus intéressant pour moi de faire le tempo, la vélocité dans cette pièce en paramètre de texture. Alors, j'ai donc priorité à la texture et j'ai développé de certaines techniques avec des accords brisés, ou on pourrait évoquer peut-être les styles des pianos stride, alors où on est tout le temps dans la musique populaire américaine, ragtime par exemple, où on a la main gauche tout le temps être partout sur le clavier. Voilà, alors j'ai développé cette technique afin de pouvoir jouer toutes les notes. Je l'ai fait, alors, ou je sais en tous les cas. Et le résultat, c'est que le tempo dans ma performance est variable. Ça, c'est point 1 qui est particulier. Le point 2, c'est que je trouve une majorité des performances assez génériques par rapport à l'harmonie, aux couleurs des accords. Et qu'est-ce que j'ai vraiment essayé de faire, et laisser mon oreille conduire, c'est-à-dire la performance, et être capable de vraiment percevoir les nuances entre les différents iridismes, comme dans la mer en fait. Hein. En mer, on a cette transformation, cette mutation constante des couleurs et des énergies. Et c'était, c'est-à-dire mon leitmotiv pendant ma préparation. Et je crois que ça donne un résultat, est une expérience pour le pianiste, même le public, assez différent. Après, je voudrais parler de ce concept pour les projets. On a nommé les concepts de palimpseste. Alors, on a commencé avec les plusieurs formes de partitions de Xenakis. Makis a déjà parlé des esquisses de Xenakis. Alors, il a commencé vraiment par dessiner la pièce, et après, il a traduit, il a fait la transcription vers l'écriture traditionnelle, la notation musicale. Et c'est assez intéressant, je fais l'analyse entre les deux. J'ai trouvé certaines, disons, trous dans les esquisses par rapport aux notes des partitions. Et j'ai même trouvé que parfois, dans les esquisses, il y a une continuité qui est prominente, mais
Par contre, dans les partitions traditionnelles, cette continuité n'existe plus. C'est très particulièrement le trémoli des pages 2, par exemple, où le résultat sonore est très différent, très contrastant, mais dans les esquisses, ils sont juste en interlude. Ils ne sont pas vraiment prominents, mais c'est la continuité qui compte pour Xenakis. Voilà. Alors, l'étude des esquisses apporte bien des choses. Et après, notre idée serait celle des palimpsestes, alors des manuscrits anciens avec plusieurs couches d'information. Et comment est-ce qu'on pourrait communiquer cette information au public et même information qui normalement reste cachée, c'est-à-dire les énergies, par exemple, des mains du musicien ou comment ces énergies pourrait interagir avec l'ambiance, un environnement virtuel, et comment en fait faire, j'aime pas dire améliorer l'expérience, mais augmenter l'expérience du spectateur. Voilà. Alors ça est plus ou moins les concepts. Bah, il y a autre chose et autres éléments qui sont peut-être pas important pour cet après-midi. Et voilà, je passe la parole à Jean-François. Oui, alors, donc pour rebondir sur cette idée de palimpseste, vous l'avez sans doute vu donc, avec Aurélien et donc aussi avec Pavlos les derniers jours, on a travaillé sur une scénographie en fait, d'images. Qui est donc, vous avez sur l'écran principal l'avatar, en fait, qui est le corps virtuel de Pavlos, et on voit la dynamique et l'énergie qu'il y a dans ses mains. Donc concrètement, en fait, c'est lorsqu'on fait un mouvement et qu'on bouge la main, par exemple, on a la vitesse du mouvement, et on peut calculer aussi l'accélération du mouvement et le jerk, qui est l'accélération, qui est la vitesse de l'accélération. Donc en fait, ça, ce sont des paramètres invisibles à l'œil nu, que l'humain détecte, mais qui sont très compliqués à visualiser naturellement parce que c'est dans des espaces multidimensionnels. Donc là, ce qui était intéressant pour nous, c'était de travailler sur ces questions d'énergie et des différentes couches où on voit en fait qu'effectivement, il y a bien le corps virtuel de Pavlos. Quand il bouge la main, on voit la main qui bouge. Mais ensuite, quand il fait des changements et des variations très intenses qu'il a dans cette pièce, on peut visualiser en fait sous la forme de vecteurs, donc de flèches en fait, l'intensité et de courbes en fait, qui est en fait le déroulé dans le temps de cette vitesse ou accélération ou jerk. Donc il y a cette partie-là. En termes de scénographie, donc on a le parti pris littéral de la mer étendue. Donc il y a des moments en fait avec des effets de caustique qui sont en fait les effets de lumière au fond de l'eau. Donc vous aviez en fait étalé aussi bien sur les gradins. En partie haute de scène sur l'écran, donc Aurélien en gros contrôlait tout ce qui était effet de dynamique de geste, donc aussi bien les fameux graphiques de vitesse accélération. Sur les côtés, vous aviez aussi des graphiques plus mathématiques qui correspondent aux valeurs en fait calculées en temps réel par l'informatique. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'avec les outils de régie temps réel que Aurélien a développé, on est capable d'afficher ou d'enlever les différentes strates de ce millefeuille de palimpseste et donc de composer en live avec le pianiste ces effets pour donner à voir ou au contraire laisser plutôt place à la performance de Pavlos. Peut-être, Aurélien, tu peux montrer la régie en plein écran, c'est possible, oui. On va faire une courte démo, ça te va, Makis ? C'est improvisé. Est-ce que tu peux afficher display ? Ah oui, voilà, tu peux faire ça, oui. Sans tout casser. Créer une nouvelle fenêtre game que tu... Ouais. Donc, en fait... En termes de régie, il y a une double régie. Donc, il y a cette régie-là qui contrôle tout ce qui est effet de projection sur la scène et au plafond, qui sont des effets d'eau et des effets de particules, pour créer un espace volumétrique, immersif. Et donc, on a un écran tactile qui permet en fait de... Donc, je ne sais pas si on le verra. Voilà, vous voyez au plafond, ici, donc j'ai aucune image. Et donc, j'ai un fader qui me permet d'afficher les effets. Et donc, je peux aussi afficher... plus ou moins de caustiques, qui sont les effets d'eau. Voilà. Et donc tout à l'heure, si l'un d'entre vous souhaite venir faire
une jam de régie avec nous. Donc je resterai à côté du participant ou de la participante pour lui indiquer les tops et les cues et quels boutons. On a simplifié l'interface, donc ne vous inquiétez pas, qui permettent en fait de ne pas faire d'erreurs entre guillemets ou de choses complètement, on va dire, patchwork. Et peut-être tu veux dire un mot sur l'interface plus complète. Oui, donc tout à gauche, on a la partie intro, en fait, où au début, on a juste le titre qui est affiché. Donc ça, c'est le premier bouton, en fait, qui fait disparaître le titre. Ensuite, on a l'avatar qui démarre. Et en fait, mon bouton start, en fait, ça permet d'afficher la première esquisse. Donc la deuxième partie, c'est toute la... Alors là, ce sont juste des templates, hein, parce que quand on démarre l'application, en fait, il génère les boutons qui correspondent aux bons tracks en cours. Et donc ça, c'est l'interface qui permet de sélectionner. Moi, en fait, de suivre, c'est un petit peu la partie compliquée pour moi, c'est de réussir à suivre en même temps que Pavlos quelle esquisse correspond à ce qu'il est en train de jouer. Donc chaque esquisse a une couleur qui correspond en fait à ce que vous voyez ici. Donc voilà, ensuite les deux derniers panneaux, ce sont les modifications, donc le main en fait, donc ça c'est vraiment un écran noir général en fait, si on veut tout masquer, tout afficher. Donc ensuite on a les esquisses indépendamment, l'avatar. Donc on a une caméra qui permet de passer des mains au corps. Hein. Je pense que vous avez vu, en fait, il y a un moment donné, on est très proche des mains. D'autres fois, on est plus en troisième personne. Et puis, on peut gérer aussi la vitesse de rotation qu'on a en troisième personne de l'avatar. Et toute la partie droite, donc, ce sont les graphiques, hein, dont Jean-François vous a parlé. Donc, moi, en fait, j'ai repris un travail qui avait été déjà fait justement par Jean-François et Vincent Meruès, donc d'un outil en fait qui permettait de visualiser tous ces mouvements de corps. Donc, que moi, j'ai récupéré et puis réadapté pour notre usage actuel. Donc voilà. Merci Aurélien. Et juste un petit mot, en fait, ce que vous voyez ici, donc notre monolithe sur la droite, c'est la partition en fait annotée par Pavlos, qui correspond, en fait, c'est la partition originale. Donc tous les dessins que vous avez vus, tous les graphiques qui correspondent à chaque instant de la pièce qui défile, ce sont des petits morceaux ici. Là, on a l'intégralité de la partition du coup dessinée. Et donc tous les blocs de couleurs, ce sont les fameuses textures musicales. Alors tu me corriges, Pavlos, si je dis des bêtises, mais en gros, en fonction du moment où on déroule la pièce, on a des blocs, voilà, avec certaines... Alors, nous, c'est carrément une couleur, donc vous pourrez voir que les esquisses prennent la couleur exacte de chaque bloc qui ont été annotés et analysés par Pavlos. Donc c'est un travail de fourmi, déjà, de décortiquer cette pièce. Et du coup, Aurélien a réadapté... chacun des dessins en appliquant la couleur correspondante. Donc vous avez quelque part ici la grille de lecture en tout temps pendant la performance pour retrouver à quel moment on se retrouve. Donc ça se lit de gauche à droite comme ça. Donc là, on a un peu essayé d'expliquer la pièce de Xenakis elle-même, l'interprétation, la réalité virtuelle augmentée numérique. Et maintenant, dans cette deuxième partie, on va essayer de qualifier un peu ce travail. En fait, il y aurait deux questions à poser. La première, c'est effectivement, de quoi s'agit-il ? Réalité augmentée, réalité virtuelle, polytop, pour reprendre un terme de Xenakis. Ça, c'est une première question pour qualifier le type, la nature du spectacle. Et la deuxième question pourrait être celle de qu'est-ce qu'on peut faire donc avec une pièce de Xenakis ? Est-ce qu'on a le droit de faire ça, par exemple ? Est-ce qu'on peut changer la forme originale de la présentation de la pièce, qui est une pièce de concert ? Voilà. Et ce sont deux questions indépendantes, mais qui se recoupent un petit peu. Je pense que c'est bien de les traiter ensemble. Moi, je dirais rapidement pour en ce qui concerne la première question. Donc, Polytop de Xenakis, pour ceux qui ne savent pas. Xenakis a fait des spectacles qui étaient à la fois audio, donc avec de la musique, et visuels, utilisant à la fois des lumières, des lasers, des spots,
et utilisant également parfois aussi une architecture spécialement composée, et utilisant aussi des lieux variés, d'où le nom d'ailleurs de polytope, qui veut dire plusieurs lieux. Donc, Xenakis lui-même nous invite en quelque sorte à aller dans ce sens, un spectacle multimédia, pour prendre le mot, disons, le plus basique, puisque lui-même, il l'a fait. Voilà. Maintenant, c'est sûr que c'est pas un polytope dans la mesure où c'est pas la conception xénakienne des polytopes. Chez Xenakis, les médias, donc si on appelle média la musique ou le son, la lumière ou le spectacle visuel, étaient totalement indépendants en fait. Ils étaient pensés comme deux couches différentes, et avec une troisième qui pouvait être l'architecture, voire pour l'un des polytopes, il y avait aussi du texte, qui était une couche un peu indépendante. Ici, comme vous l'avez compris, ce n'est pas du tout indépendant, il y a une corrélation directe via des données, via un mapping entre l'image et le son. Donc ce n'est pas un polytope au sens de Xenakis. Par ailleurs, les polytopes xénakiens étaient très liés aussi à l'espace physique. C'était une dimension fondamentale pour lui de la notion de polytope, même si c'était sous forme d'installation. L'espace physique prenait le pas, ce qui n'est pas le cas ici, me semble-t-il. Donc, le mot polytope, déjà, c'est un mot xénakien, donc il ne faut pas l'utiliser, sinon il y a confusion. Et je pense que ce n'est pas dans ce sens-là que ça irait. Après, est-ce qu'on peut parler de réalité augmentée? Donc, peut-être vous allez nous expliquer ce que c'est qu'une réalité augmentée, quelle est la différence avec la réalité virtuelle, et peut-être on avance pour essayer de qualifier le spectacle. Alors, je vais peut-être embrayer sur la notion de réalité augmentée, réalité virtuelle, parce que c'est mon domaine de recherche. En gros, je fais de la recherche en art en utilisant le médium de ce qu'on appelle la réalité mixte et la réalité virtuelle, ou la réalité augmentée. Donc, pour clarifier tout ça, la réalité augmentée, c'est lorsque l'on fait une surimpression sur du réel, donc on augmente l'information réelle d'informations supplémentaires, tout en gardant des éléments tangibles et réels. Il faut que ces éléments interagissent en temps réel avec le spectateur ou l'utilisateur. La réalité virtuelle, on est carrément immergé et on n'a plus aucun référentiel du monde réel. Donc c'est lorsqu'on utilise un casque de réalité virtuelle, principalement, ou un cube immersif. Donc ce sont des espaces où chaque mur deviennent des écrans. Donc c'est des conditions d'immersion un peu extrêmes, ultimes, où il n'y a plus de référentiel réel. Et donc dans notre cas ici, on est quand même plutôt sur de la réalité augmentée, parce que même dans le noir total, il y a toujours la présence du piano. Enfin, pour être en situation de réalité virtuelle, il faudra pratiquement être collé dans l'écran et que notre champ de vision soit couvert, et lorsque l'on tourne la tête, que l'information suive notre mouvement, ce qui n'est pas le cas. Par contre, on a bien les versions, en tout cas du point de vue de Pavlos, où Pavlos, en temps réel, a des informations supplémentaires qui n'existent pas dans la nature, qui sont en surimpression, donc de sa vitesse, par exemple, de mouvement des bras, ou tout simplement d'avoir son avatar en transparence, c'est-à-dire qu'on voit au travers de son propre corps. Donc, en ce sens, ce serait une forme de réalité augmentée. Donc, voilà. Mais l'enjeu, voilà, le critère, il faut que ce soit en temps réel. Si c'est de la projection vidéo de type comme un film, on n'est pas dans ce cadre-là, c'est-à-dire que vous n'avez aucun contrôle et aucune agentivité, aucun moyen d'action sur le contenu. Et donc pour nous, c'est important en fait, d'avoir ces éléments qui réagissent. Et du point de vue du régisseur, on est aussi en situation de réalité augmentée, parce que le régisseur peut changer tous les paramètres à tout moment. Et donc ça réagit instantanément à ses choix esthétiques et artistiques. Juste pour donner, moi je suis pas du tout un expert des réalités augmentées ou des arts visuels évidemment, mais juste pour donner une petite réflexion philosophique même, je trouve très attirante cette idée de faire mélanger les mondes réels et les mondes numériques en fait, et je crois que ça sera inévitablement notre avenir. Et ça pose plusieurs questions, plusieurs risques, plusieurs. C'est pas évident, hein, comment le deux milliers pourrait se mélanger. Alors, pour moi, c'est assez important de poursuivre ça, mais ça donne même une contrebalance contre une réalité virtuelle et complètement
disons, sans décor, sans de matière physique. Peut-être ça pourrait être un accompagnement au Internet of Things qui arrive très prochainement. Alors, je pense que cette collaboration me donne plusieurs idées, même au niveau conceptuel et philosophique, théorique. Après, peut-être ça serait mieux d'aborder la question concernant notre permission par rapport aux œuvres de Xenakis. Et je voudrais dire qu'à mon avis, Xenakis, disons, occupe un terrain assez bizarre à ce moment dans les canons classiques, parce que ce n'est pas évidemment la musique classique, la musique traditionnelle, mais en même temps, ça fait une musique déjà de 50 ans, alors une demi-siècle. Alors, c'est la musique ancienne et le progrès, la musique s'accélère. Du coup, c'est déjà quelque chose. Il y a bien de performances, il y a une histoire de performances de Xenakis. Du coup, ça nous oblige en fait de trouver des nouvelles formes de présentation afin de pouvoir faire la musique s'adapter au monde d'aujourd'hui. Ça, c'est ma réponse très brève à cette question-là. Alors moi, je n'ai pas vraiment des soucis de, disons, authenticité ou originalité par rapport à la vision de Xenakis. Évidemment, on ne peut pas faire, maintenant je pense, de Glenn Gould et Bach, par exemple. Glenn Gould a même interprété Bach d'une façon qui n'était pas du tout authentique, mais il a apporté une vision et une compréhension de Bach complètement différente par rapport au Bach joué au piano, comparé aux clavicénistes, etc., à la mouvement d'authenticité des années 50, etc. Du coup, je pense que c'est le bon moment pour faire des essais pareils ou analogiques avec la musique de Xenakis maintenant. Évidemment, toujours être très attentif au niveau même des copyrights, des permissions, des partitions. Et on pourrait avoir des monstres qui sont produits par un rapport comme ça, mais c'est évidemment nécessaire afin de pouvoir créer un lien avec le public d'aujourd'hui. Pour embrayer sur ce deuxième aspect, peut-être qu'on reviendra au premier. C'est vrai qu'on vit aujourd'hui une époque où on démythifie un petit peu, je dirais, l'idée d'œuvre, l'idée de composition. On revient à l'étymologie composée. On s'aperçoit que toute œuvre est un assemblage, même si elle finit par ressembler à un rocher qui est tombé du ciel. Voilà. Xenakis, en fait, c'est une musique de bricolage au bon sens du terme, au sens de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss situait le bricolage. Il disait, le bricoleur, c'est entre le sorcier et le scientifique, historiquement parlant. Et Xenakis, c'est tout à fait ça. Il a un côté ingénieur, il a une formation d'ingénieur, il fait du calcul. C'est un magicien aussi, voilà, il sait nous séduire. Et donc, il est très facile. Hein. Là, si on a les esquisses, ben, on voit, il a ses arborescences, etc. Et on pourrait refaire la pièce autrement. Et c'est très facile quand maintenant on a accès aux archives, on peut voir comment il bricolait justement, on peut l'assembler. Donc c'est vrai qu'on serait un peu tenté d'aller loin même dans ce sens. C'est ce qui nous a invité à une certaine époque, ce qu'on appelait le postmodernisme, faire des collages, aller jusqu'à déconstruire. Hein. C'était la grande époque de la déconstruction des œuvres. Néanmoins, on en est un peu revenu, la vague des collages, etc. Là, on est à une époque où on cherche un équilibre entre l'œuvre qui a pour avantage de vous donner quelque chose, de vous offrir une opposition. Si vous déconstruisez tout, finalement, il n'y a plus rien, donc on devient omnipotent. C'est un peu comme la domination de l'homme sur la nature. On finit par être soi-même, on a tout avalé. Et donc, c'est totalitaire, c'est horrible. On a besoin de quelque chose qui s'oppose à vous et une œuvre. Donc, c'est bien voilà, que Xenakis offre une résistance, ne serait-ce que parce qu'il est difficile à écouter, il remplit la salle, il remplit le son. C'est,
Voilà, c'est une résistance, ça fait du bien de se frotter. D'un autre côté, c'est bien de ne plus être terrorisé par l'image du compositeur avec un grand C, de l'œuvre avec un grand O, dont on ne sait pas trop quoi faire. Du coup, on les met sur un piédestal et on finit par ne plus les écouter. Hein. Les œuvres du passé, c'est un peu souvent comme ça. Quoi. Elles meurent parce que plus personne les écoute, le nom reste. Donc c'est bien de les recycler, mais alors justement, donc de les recycler, non pas au sens des postmodernes, mais en sens écologique du terme. Voilà, là je fais une grande différence. Il y a le recyclage postmoderne qui était quand même, qui avait un côté charlatan. On s'approprie des choses et, parce qu'on a la flemme de travailler en fait, hein, c'était un peu ça. Je vais un peu vite, hein. Bon, j'exagère. Bon, je caricature 30 années d'histoire de l'art. Mais... Et puis le recyclage justement écologique, où on devient un peu économe, on se dit, bah, on a quand même une œuvre, c'est bien, mais il faut la respecter. Donc du coup, justement, on la respecte, on va l'écouter 10, 20, 30 fois. On n'a pas besoin d'en composer forcément une autre, on a déjà assez de choses. Par contre, on va y travailler, on va l'habiter, on va s'accoutumer, on va se l'approprier. Et c'est ce que j'aime beaucoup justement dans le spectacle que j'ai découvert aujourd'hui. En fait, moi, je dirais, maintenant, ça me fait penser que plus qu'en réalité augmentée, je dirais, c'est une manière d'habiter cette pièce que vous êtes en train de nous offrir, là. Une manière dwelling, au sens anglais du terme. L'anthropologue britannique Tim Ingold a fait un livre, justement, sur habiter, dans ce sens-là, au sens où les espèces habitent le monde. Donc, habiter, c'est-à-dire se construire un nid en relation avec son environnement, qui justement ne détruit pas son environnement. Donc là, c'est une manière d'habiter Evry Ali, je dirais, une manière originale. Alors on pourrait aussi dire que c'est une manière d'interpréter Evry Ali, bien sûr aussi. On pourrait réutiliser, recycler le terme. Voilà, et recycler donc dans le bon sens du terme. Donc voilà, à mon avis, pour revenir, finir sur les questions du droit, ça devrait être autorisé, peut-être à condition aussi de ne pas perdre l'objet original, Evry Ali. Donc de se rappeler qu'il y a une partition qui s'appelle Evry Ali, et peut-être d'avoir aussi une version non augmentée. Voilà, ça pourrait être intéressant. Voilà. On continue le débat sur... Oui, en fait, j'aime bien le terme habité que tu utilises, parce qu'en fait, finalement, je me dis, on n'est peut-être pas... Enfin, la réalité augmentée, c'est un terme très technique, très technologique, très froid, quelque part. Et en fait, qu'est-ce qu'on essaie de faire en regardant ça un peu plus loin? C'est une forme de synesthésie collective. Donc la synesthésie, c'est quand vous avez plusieurs sens qui se mélangent, quand vous pouvez fermer les yeux et commencer à voir des choses en écoutant une musique, voir des choses psychédéliques, par exemple. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir ces couches de palimpsestes qui, finalement, sont une forme synesthésique multisensorielle. Et ce n'est pas l'œuvre d'une création individuelle, parce qu'on a cohabité pendant justement 3 jours avec Pavlos et Aurélien, pour tester des hypothèses de scénographie, de rendu, etc. Et finalement, on a fait des choix artistiques et esthétiques, personnels, mais collectifs en même temps. Et donc, on n'est pas forcément dans la réalité augmentée au sens technologique, on est au-delà de ça, d'un point de vue plus philosophique, je dirais. Oui, une synesthésie écologique, ou je ne sais pas, j'improvise. Tu veux rajouter quelque chose, Aurélien ? Ouais, pourquoi pas. Allez. Oui, j'ai beaucoup aimé ce terme que tu as utilisé, d'habiter, et l'écologie aussi en même temps. J'ai des termes qui me parlent. Mais oui, tout à fait. Je trouve que c'est assez intéressant aussi, comme tu disais, Pavlos, de dire qu'on c'est une réinterprétation, et justement le fait qu'on puisse aider les spectateurs à s'immerger avec ces visuels en plus immerger pour la mer étendue, c'est... et enfin voilà quoi, c'est un peu, ouais, je sais pas, pour compléter ce que vous avez dit jusqu'à présent, mais ouais, je suis assez ça me plaît beaucoup ce truc. Je voudrais juste rajouter un mot sur cette... j'aime bien moi-même le terme habiter, c'est vraiment génial. Et ça nous donne un autre lien au problème d'aujourd'hui, même la crise écologique qui est si prominente, et la relation technologie. Mais il y a toujours un point assez critique concernant les notions d'immersion dans les arts. Et on peut penser par exemple à Wagner même, et aux certaines
connotation politique avec l'immersion dans le monde même des spectacles commercialisés, etc. Alors il faut faire attention quand on essaie de vraiment créer un spectacle d'immersion, parce qu'on pourrait même parler de Leni Riefenstahl. du coup, c'est assez bizarre. C'est pourquoi moi, j'insiste à cette conception des palimpsestes. Pourquoi ? Parce que les palimpsestes, c'est une forme aussi d'écriture. Alors, c'est exactement notre façon d'essayer et créer un palimpseste, même des effets visuels, même des expériences, qui est en même temps vécu, mais aussi, il y a là-bas, là-dedans, une intelligence, une forme d'intelligence qui est vraiment à lire, à écrire, qui est symbolique. Je voudrais souligner toujours ces notions, parce que pour moi, la relation entre l'interprétation et la performance n'est pas du tout évidente aujourd'hui. On s'éloigne de cette idée de l'œuvre d'art, d'interprétation, de partition, etc. Mais il ne faudra pas s'éloigner trop, à mon avis. Il faut toujours garder cette particularité, cette singularité, en fait, de la musique, pas uniquement de la musique occidentale, en fait, parce qu'il y a d'autres cultures, la musique byzantine, par exemple, ou autres traditions dans le monde. Mais il y a quelque chose de très, très, très profond quand on essaie de faire un boucle entre les symboliques et les vécus. Voilà. L'expérience. Et ça, je pense, nous permet de créer des résistances, même sociopolitiques, à partir de cette intelligence qui s'est recyclée. Voilà. Merci, Pavlos, pour cette relocalisation, on pourrait dire. Effectivement, il y a beaucoup d'aspects politiques également. Moi, j'aimerais aussi ajouter un mot, le mot complexité, parce que ça, c'est aussi ça qui est intéressant ici. Vous offrez une image de la complexité qui n'est pas complexe, enfin qui n'est pas compliquée. Là, on comprend tout de suite que, effectivement, le monde dans lequel on vit, on est complexe. Il faut l'aborder en tant que tel. Il ne faut pas hésiter, mais il ne faut pas non plus se servir de cette complexité comme massue pour rejoindre des questions politiques, pour écraser les gens, pour leur dire taisez-vous. Au contraire, cette forme de complexité invite chacun justement à habiter, donc à s'approprier, donc à redevenir actif, hein, parce que je crois que c'est ça que voulait dire Pavlos quand il s'opposait un peu à la notion d'immersif. C'est que la notion d'immersif, telle que ça a été utilisée parfois dans l'histoire à travers l'œuvre d'art totale de Wagner, c'est effectivement c'est les régimes totalitaires. Voilà. Ce qui n'est pas l'immersion au sens technologique, c'est pas tout à fait ça. Voilà, donc complexité aussi. Et c'est formidable parce que vous offrez une image très, très bas, de nouveau, qui invite à habiter, très, très simple, très agréable de la complexité. C'est pas la complexité. Et du coup, pour revenir à Xenakis, justement, ça décomplexifie Xenakis quelque part. On s'aperçoit que finalement, Xenakis est simple. Hein, quand on lui a ajouté ses couches de palimpseste, finalement, l'objet initial est assez simple. C'est ça qui est intéressant. Hein, donc tout est assez relatif finalement. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Donc, pour finir ce débat, nous vous invitons à poser des questions, comment ça marche éventuellement, des questions plus philosophiques, des remarques. On va faire passer un micro pour que ça soit enregistré. Sur le spectacle. Alexandre. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque, mais enfin, je trouvais que c'était vraiment du coup vraiment super. Mais il y avait du coup un petite question qui m'est venue, c'est sur votre rapport un peu à l'abstraction et au ressenti, c'est-à-dire que vous restez quand même sur des visualisations, en tout cas pour ce qui était sur l'écran au fond, assez figuratives, où on voyait le corps se déplacer. Et le palimpseste que vous évoquez, ça vient
vous donner en fait une sorte de visualisation de certains paramètres que vous décidez d'extraire. Et est-ce qu'en fait le ça aurait pas été peut-être plus alors je vais pas dire judicieux mais plus si le but c'était d'augmenter la pièce et d'augmenter le ressenti que l'on a de la pièce, d'aller peut-être vers des formes plus abstraites. Et en soi, j'ai trouvé que les visualisations qui parcouraient la salle participaient presque plus à rentrer dans la pièce, à établir une ambiance, une atmosphère, que les visualisations qui étaient presque trop analytiques en fait, de l'écran, alors qu'ils sont très intéressantes. Mais est-ce que... voilà. Est-ce que les étapes suivantes, c'est pas peut-être d'aller vers plus une forme de peinture numérique en temps réel, qui prend vraiment en termes de choix de couleurs, de graphisme, voilà, qui vient extraire peut-être non pas des couches directement d'informations, mais chercher à montrer aussi ce qu'il peut y avoir entre les différentes couches du palimpseste, qui sont vraiment, voilà, qui sont vraiment peut-être encore. Voilà, bref, aller à un niveau d'abstraction peut-être encore plus loin et jouer vraiment sur le ressenti et montrer ses énergies. Donc je trouvais ça vraiment intéressant en fait le fait de montrer les énergies. Ce terme d'énergie là, je le trouvais vraiment intéressant. Et voilà, et en plus le fait d'avoir en surimpression la pièce, les partitions dessinées de Xenakis, ça je trouvais ça aussi. Voilà, c'est chouette pour suivre voilà, les mouvements, etc. Mais voilà, il y a un moment où on est presque plus dans l'analyse que dans le ressenti, j'ai trouvé. Donc voilà, c'était juste une petite remarque. Sinon, oui, dans l'utilisation de la scénographie, voilà, je trouvais que ça, c'était vraiment le fait d'habiller la pièce avec ses projections. Je trouvais que là, ça fonctionnait vraiment. Et quelque part, c'est presque... je voudrais faire un parallèle avec par exemple les pièces de Ryoji Ikeda et notamment ses installations dans lesquelles en fait, on ne sait pas ce qui vient vraiment en premier, est-ce que c'est les projections, est-ce que c'est le son, et je trouve qu'il y a une sorte de symbiose et de tout qui est assez fort là-dedans en fait, et où le son et l'espace entretiennent vraiment une relation très forte. Et là je trouvais que le fait d'habiller les projections qui viennent remplir cette pièce là, en fait, je trouvais que c'était ça voilà, qui participait encore plus à modifier, à augmenter le ressenti que l'on avait de la pièce. Donc voilà, mais sinon merci beaucoup pour tout ça. Et j'avais aussi sinon une question juste au niveau de la composition, donc peut-être plus pour Makis. Vous disiez qu'il y avait assez peu de règles de calcul voilà, derrière ça, mais est-ce que du coup les mouvements de trajectoire et les moments de scission d'une trajectoire avec un embranchement, c'est purement arbitraire, c'est-à-dire c'est vraiment dessiné comme ça sans... D'accord, ok. Donc c'était... D'accord. Merci pour cette remarque, je trouve ça assez intéressant cette idée d'abstraction, parce qu'on a déjà un petit peu parlé effectivement, et je sais qu'en décembre on avait fait une session, on avait fait des tests, et par exemple on avait mis l'avatar à une échelle très 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 grande, ce qui fait qu'on ne distinguait plus le corps en fait, et comme on avait un peu ce même matériau transparent, bah, ça crée presque des formes abstraites au final. Et ouais, je suis assez d'accord que ce serait intéressant que peut-être ça se décompose, ça devient un peu éthéré, un peu abstrait. Enfin, ouais, en tout cas, j'aime bien l'idée. Oui, c'est un très très bon point. À mon avis, à ce moment, on a vraiment visualisé des choses, des éléments qui sont dans la psychologie écologique. On parle des affordances, alors des lower order affordances. Alors, c'est vraiment la surface. Qu'est-ce qu'on pourrait faire après? C'est exactement de créer un ordre un peu plus avancé, plus compliqué, et créer des interactions entre les plusieurs éléments. Par exemple, on pourrait avoir les esquisses être générées en temps réel par les gestes. En fait, ça fait partie de notre projet qui ne pourrait pas être réalisé grâce à Covid. Voilà. Mais ça fait évidemment
partie d'une mentalité d'interaction où tous les éléments sont inextricablement reliés. Et vous avez raison, c'est, à ce moment-là, c'est vraiment de la palimpseste, c'est superposition essentiellement des éléments. Et par contre, je trouve, peut-être il faudra clarifier que l'ambiance était aussi, fait partie de l'énergie des gestes. Je ne sais pas si c'est déjà mentionné. Voilà, alors, sur les projections d'ambiance, on a l'acoustique, les effets acoustiques, etc., mais on a même les énergies des mains. Alors ça, c'est assez important, je crois, et il faudra trouver d'autres liens pareils entre les corps, l'environnement et le cerveau du compositeur, qui est réfléchi par la partition, les esquisses. Voilà. Si Jean-François voudrait rajouter quelque chose. Donc merci pour vos retours. Déjà, c'est vrai que c'est bien nous d'avoir un point de vue complètement externe par rapport au fait qu'on ait la tête dans le guidon, comme on dit quand on travaille sur ce genre de pièces. Déjà, pour nous, ça a été un gros challenge de la décortiquer, de la comprendre et ensuite de proposer des choses dans ce référentiel. Et sur la question de l'abstraction, ça a été donc des choses qu'on a testées en fait, avec par exemple que les graphiques des énergies, qui étaient en fait, quand on les visualise sans un avatar, c'est enfin, très difficile de comprendre. On sent qu'il y a quelque chose lié au mouvement, mais c'est difficile de savoir exactement ce qui se passe. Donc là, on a choisi de garder l'avatar simplement pour qu'il y ait des. C'est un palimpseste presque avec des niveaux de lecture progressifs. On pourrait presque imaginer refaire la pièce sans afficher l'avatar. Enfin, en tout cas, techniquement, c'est possible, et ne jouer que sur ces niveaux d'abstraction d'énergie des mains. Qui fait qu'effectivement on lâcherait plus prise du figuratif et on irait plus dans des niveaux bah, justement hyper complexes, mais avec toujours le risque de rendre la pièce presque totalement inaccessible. C'est toujours ça qui est difficile de balancer, de contrebalancer, enfin de régler en termes d'équilibre. Qu'est-ce qu'on donne à voir qui est de l'ordre de voilà qui accompagne en fait le spectateur ou l'auditeur? Et qu'est-ce qui est de l'ordre de, voilà, du lâcher-prise total si dans mon référentiel, en tout cas dans ma théorie, c'est que c'est important d'y aller progressivement. Je pense que ça toucherait un public plus large, mais au détriment effectivement d'une possibilité d'abstraction beaucoup plus grande. Quoi. Donc, c'est effectivement des choses à tester. Et en fait, ce qui est bien avec le système qu'Aurélien a développé, c'est qu'on peut. Ce genre d'hypothèse entre le figuratif et l'abstrait, ben c'est finalement un curseur de transparence de l'avatar déjà qui peut nous aider. Donc on a presque des petits outils magiques, je dirais, pour reprendre le terme de magie, où c'est pas forcément facile d'avoir un continuum entre voilà, abstraction et choses concrètes. Donc là, pour le coup, figuratif. Donc ouais, il y a plein de choses à explorer, du coup, je pense, à ce niveau-là, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques, retours éventuellement? C'est vrai que ça peut être très intéressant, ce que vous avez éprouvé, senti. Au départ, Jean-François et Pavlos et Aurélien voulaient préparer aussi un questionnaire, mais ils n'ont pas eu le temps, pour aussi une publication scientifique pour, sur le qu'est-ce qu'on éprouve, comment on sent. Oui, Miguel. Et je voudrais savoir si vous pensez que ce type d'interaction peut générer de nouvelles perceptions du temps, de la temporalité. Oui. oui, c'est vrai que... oui. Non, effectivement... oui, parce qu'en fait, quand là, par exemple, sur les graphes qu'on affiche, on peut mettre des échelles en fait sur, par exemple, les vecteurs en fait sur s'ils sont plus ou moins grands. Et effectivement, le fait que les mouvements soient plus ou moins amples, ça peut effectivement ouais, avoir une incidence sur la perception qu'on a du temps, parce que finalement, le mouvement c'est le temps effectivement. Et, donc ouais, c'est très pertinent. Et, ouais, et puis bah, l'idée qu'il y avait aussi, on avait un petit peu parlé à Pavlos, c'est que si la pièce peut jouer aussi à différentes
différentes vitesses, quoi. Donc, je sais pas du tout où je vais avec ça. Oui, voilà, ça, on peut visualiser. Puis, voilà, est-ce que tu veux rajouter? En effet, je pense que la présentation des esquisses, c'est déjà une forme de donner l'espace, les temps, espace spatial. Alors, on a déjà les lignes, les branches de ces arborescences, et on peut voir une certaine séquence. Alors, ça, je ne sais pas comment ça fonctionne pour vous, par exemple, si ça, ça vous donne un certain, disons, rassurance concernant le passage du temps, ou ça serait mieux d'avoir une dimension complètement cachée du temps ou complètement temps des durées, temps d'expérience. Au contraire, je pense que la scénographie, comme elle est déjà, n'est pas vraiment et assez dynamique même, alors ça pourrait créer une autre séquence de dynamisme qui ne correspondent aux séquences de la musique. Ça serait assez intéressant alors de penser à un contrepoint temporel entre les deux éléments, visuel et sonore. Mais oui, ça, en fait, dans la deuxième reprise, ça serait assez intéressant de nous dire après si cette nouvelle mise en scène que Jean-François et Aurélien voudraient mettre en place serait en fait pour vous déterminante concernant le passage du temps. En tous les cas, je pense que la musique de Xenakis est assez dramatique. Hein? Même si c'est vraiment une musique géométrique, pour moi, c'est toujours le théâtre. C'est un grand drame, et très, 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 presque, disons, extravagante parfois. Et du coup, ça influence vraiment le passage du temps même. Hein? Ce n'est pas une musique qui pourrait être statique ou pourrait vraiment laisser quelqu'un froid. Peut-être que c'est vraiment le pouvoir de la musique de Xenakis, c'est ça, hein, qui est à la surface, c'est très contrôlé et organisé, ou aux esquisses et dans la poétique de Xenakis, mais au moment de la performance, c'est vraiment quelque chose toujours de nouvel. Et il faut le dire, c'est pas vraiment possible de jouer cette pièce les mêmes la deuxième fois. Alors, c'est pas vraiment possible de répéter d'une certaine façon. Sinon, on a vraiment une version de l'œuvre complètement, quand on a enlevé les nerfs, c'est dénervé ou aseptisé, voilà. Voilà. Mais si on essaie vraiment d'aller aux extrémités, d'approcher cette transcendance, mais en même temps garder cette dialectique aux nuances de Xenakis et aux formes et à la pluralité, voilà, ça ouvre un espace énorme des possibilités d'interprétation et de perception de temps même. Voilà. Une dernière question peut-être ? Bonjour. C'est mes remarques pour rebondir en fait à cette comparaison avec Ryuji Ikeda, et que je trouve que c'est pas vraiment lié, pas parce que il y a de la musique, la vidéo, justement parce que déjà dans ses œuvres, c'est déjà par rapport à la projection, c'est par rapport à l'échelle, donc ce qui augmente le spectateur, c'est pas les sons, c'est aussi l'image, donc on est dans un endroit où il y a des projections partout, c'est que je ne sais pas si déjà c'est possible à Paris 8. Et deuxième, c'est plus du data art, du coup, en fait, chaque tonalité réagit. Enfin, après, je ne suis pas musicienne, je viens de l'art et technologie de l'image. Hein. Mais en fait, chaque tonalité, ça rebondit sur un carré blanc ou noir. Ça, c'est pas de l'abstrait, c'est plus du minimalisme, à mon avis.
Et du coup, il n'y a rien de manuel. En fait, il n'y a pas ces nuances, il n'y a pas ces couches de performance en live avec un piano. Avec... Et donc, je pense que ce n'est pas très pertinent de comparer, en fait, l'effort d'un pianiste sur scène qui joue une partition très compliquée et de pouvoir trouver une façon d'expliquer ces gestes, en fait, par de couleurs abstraites, quand même. Enfin, et avec le choix de, ou pas d'afficher l'avatar. Et voilà, c'était juste un commentaire par rapport à ce qu'on a entendu. Enfin, voilà. Et je ne sais pas si vous voulez répondre sur ça. Ou... Et j'ai eu une question justement sur la technologie que vous utilisez. Si, par exemple, ce serait voulu dans une prochaine version, on peut dire, de traquer les mains, enfin les doigts, parce que, enfin, on sait que c'est gestuel, bien sûr, mais sur un pianiste, c'est pas juste le main, mais c'est chaque doigt aussi qui compte. Et voilà, c'est une question. Ouais, alors effectivement, sur la combinaison de rôles, là, il y a effectivement la possibilité d'avoir les mains, mais pour Pavlos, après, tu confirmeras que c'est compliqué déjà avec l'équipement, c'est déjà pas évident, surtout sur une pièce comme ça. Mais sinon, effectivement, on peut imaginer après en complément avec, je sais pas, une lippe ou quelque chose comme ça. Mais oui, effectivement, c'est clair que le piano, enfin, c'est le mouvement des doigts précis, ce serait très très intéressant à voir, quoi. Bah, merci bien, ça, c'est une très bonne question en effet, parce que ça me donne la chance de vous communiquer un autre défi de ce projet. Je n'ai pas du coup parlé, mais vraiment jouer Evriali d'une façon où on joue toutes les notes, mais même avec ça, hein, qui est assez invasif, c'est déjà un peu trop. En effet, dans des enregistrements préliminaires à Thessalonique, on a essayé avec les doigts. Mais le problème était vraiment que les capteurs sont assez grands sur les doigts dans ce modèle particulier, mais je pense que c'est le même pour tous les modèles pour la captation des doigts. Après, il y a d'autres systèmes de captation, par exemple les lip motion, qui sont plutôt visuels, optiques, qu'inertiels comme ça. Alors ça, c'est un système inertiel qui fait quoi. En fait, Jean-François pourrait décrire en tant qu'expert, mais mesure les accélérations et visualise les accélérations. Par contre, il y a d'autres systèmes qui sont vraiment optiques, alors ils travaillent avec la lumière. Et le problème, on a aussi essayé, et pas dans ce projet, mais dans notre projet à l'ERCAM, d'utiliser le loop motion, par exemple, mais c'était impossible. Par raison de réflexion, de lumière, par raison des occlusions entre les mains, parce que quand on joue le piano, il y a... Quoi ? Oui, après, c'est la question des résolutions. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on pourrait vraiment... Voilà. Alors, c'est un compromis, évidemment, de ne pas avoir les doigts dans ce dispositif, mais... Je crains qu'on n'a pas vraiment d'alternative à ce moment-là. Alors, les technologies même ne sont pas avancées de façon qui pourrait permettre quelque chose de pas inventif, au moins pour jouer de musique comme ça. Peut-être si on joue de musique plus facile, etc., ça serait une autre question. Mais là, c'était vraiment une contrainte énorme. Une autre question En fait, ma question rejoint un peu la précédente. Je me demandais si les capteurs du dos et des jambes pouvaient être utilisés de la même manière que sur les mains et la tête. Et du coup, j'imagine que oui. Et du coup, pourquoi avez-vous fait le choix de ne pas les utiliser de la même manière ? Et il y a un deuxième volet à la question, c'est est-ce qu'on peut du coup imaginer quelque chose de similaire mais qui pourrait représenter le souffle. Et cette question va dans le sens de ce qui m'intéresse dans cette possibilité que vous amenez, c'est de voir les mouvements qu'on ne soupçonne pas chez les musiciens. Parce qu'un pianiste, on va se douter que les mains, les bras travaillent, mais on ne va pas se douter de l'activité dorsale ou même des jambes. Et pareil pour un musicien avant, on ne va pas penser à toute la chaîne musculaire activée pour produire un son.
Oui, alors quand vous dites d'utiliser donc les capteurs des jambes pour faire la même chose qu'avec les mains, c'est de les visualiser de la même façon, c'est ça avec les. En fait, on peut les mettre où on veut. Hein, c'est juste que là, on a fait le choix. Là, mais effectivement, on pourrait. Et sinon, effectivement, sur les autres, sur par exemple, le cardiaque, le mouvement cardiaque, enfin la respiration, tout ça, je trouve ça assez intéressant aussi, ouais. Peut-être d'avoir. Mais bon, ce sera encore des capteurs supplémentaires pour Pavlos, mais je pense que ce sera aussi des données intéressantes à exploiter. Ouais. Oui, c'est une excellente remarque en fait sur en tout cas l'interopérabilité entre les parties du corps. Donc on a quand même pu visualiser un petit peu la tête. Je crois que tu avais mis un des graphes de la tête. En fait, la tête, c'est quelque chose qu'on soupçonne peu, mais qui exprime beaucoup de choses. Par exemple, le node, qui est en fait cette action de hochement de tête, est très présent en fait dans la gestuelle non verbale en fait du corps et du coup dans la performance aussi. Donc, c'est vrai que c'est très pertinent de pouvoir visualiser par exemple ce genre d'éléments. Donc, on avait fait des tests en fait sur différents segments du corps. Ce qui se passe, c'est quand plus on met de visualisation et plus ben, on atteint des combinatoires folles d'hypothèses à tester. Et donc là, on a juste fait un choix un peu radical de dire, OK, bon, on est sur une pièce de piano, on va prendre les mains. Et en même temps, c'est là où il y a le plus de degrés de liberté dans le mouvement du corps. Enfin, les extrémités, c'est là où il y a le plus d'énergie, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est tout à fait pertinent de mesurer des choses beaucoup plus sensibles, beaucoup plus presque intimes, je dirais, parce qu'avec un avatar, on a toute la chaîne du corps, en fait. Et la question du souffle, en fait, c'est quelque chose qui peut se mesurer de deux façons, soit avec un micro HF qu'on positionne en fait près de la bouche et du nez, on peut récupérer en fait le son, en fait les variations de son. Donc ça, c'est le moyen le plus rudimentaire, je dirais. Sinon, il existe des ceintures thoraciques pour mesurer du coup l'amplitude en fait de mouvement de la cage thoracique. Il y a aussi tout ce qui est maintenant oxygénométrie sur le doigt. On peut avoir un capteur sur le doigt qui donne le rythme cardiaque ou aussi la quantité d'oxygène dans le corps, qui est un autre indicateur du souffle en fait, bon, et encore plus pour le coup intime en termes de données humaines en fait, et qui pose aussi des questions éthiques derrière jusqu'où on va dans la captation du mouvement de l'artiste ou de l'homme en général. Et juste pour ajouter qu'à ce moment, il y a presque une inflation des données biométriques. Pas de la performance uniquement, mais dans le monde du capitalisme de surveillance. Shoshana Zuboff a très bien parlé de ça, écrit sur ça, et recherché pendant 20 ans. Alors ça, c'est la dimension éthique que Jean-François a souligné. À mon avis, artistiquement, c'est assez important de faire des priorités, alors de voir quelles données seraient valables et importantes pour un certain projet. Et par contre, juste dire que dans les recherches des performances du piano, il y a bien des captations même pour la tête, l'expressivité des têtes de Camuri. En Italie, par exemple, un chercheur très bien connu sur l'expressivité musicale, il s'occupe plutôt avec la tête et pas les mains. Et ça, c'est assez important. La tête et les corps, les torsos. Alors, ça c'est un point d'interrogation là. Quels sont les éléments ou les données des mains et des bras par rapport à les gestes, comme on dit, exécutifs, et quelle est la différence aux gestes expressifs et comment cette expressivité est communiquée. Alors, on pourrait avoir différents systèmes de captation pour différentes formes de gestes. Voilà. On va être obligé de s'arrêter là pour le débat, puisqu'on est limité par le temps, et donc il va y avoir une deuxième performance. On vous invite à changer de place. Comme ça, vous testerez différemment, hein, d'alterner. Ça peut être sympa. Donc prenons 2 minutes pour nous installer.